Salut à tous, aujourd'hui on fait un beau petit projet bien intéressant dans le thème de l'Halloween. On va faire un genre de petit esprit démon, un projet inspiré de la chaîne Black Bear Forge. Donc je vais mettre le lien dans la description. Avant de commencer le projet, j'aime toujours me faire un petit croquis pour voir de quoi ça peut avoir l'air. Donc ici on va couper en deux notre bout de métal. On va l'allonger, donc ça va faire les cornes. Ensuite il va avoir le visage ici. Ici, il va avoir. On va rentrer le matériel vers l'intérieur et ça va faire des petites épaules. Et ensuite, on va venir découper des bras. De chaque côté. Comme ceci. Et ensuite, ici, on va venir découper le métal et l'allonger pour venir faire une base et des jambes à notre petit démon. Ici, j'ai une barre d'à peu près 1 pouce, mais vous pouvez prendre ce que vous avez sous la main. Les deux principaux outils dont nous allons nous servir aujourd'hui sont un ciseau à chaud pour venir découper notre pièce, ainsi qu'un poinçon rond pour venir faire les yeux. Donc, sans plus attendre, allons-y! On va essayer de couper les cornes pour commencer. Il s'agit de ma première expérience dans ce que j'appelle de la sculpture à la forge, donc soyez un peu indulgents. On peut voir que j'ai mis un morceau d'acier doux sous le métal que j'essaie de couper pour éviter de couper dans mon enclume et de l'endommager. Ici, j'utilise un ciseau plus large. Comme ça, je vais être capable d'ouvrir un peu mes deux pièces. Donc, en utilisant les coins de notre enclume, on va venir séparer les deux morceaux. On va venir allonger le tout maintenant, chacune des branches. En étirant nos deux branches, on en profite aussi pour les arrondir un peu. Super beau. Ici, ça m'a l'air bien beau. On va chauffer ici cette partie-ci juste pour la ramener droite. C'est bien, on va pouvoir ramener un peu les cornes.
donner la forme un peu plus, plus comme on veut. On va faire ça sur le bout de la licorne. Donc on va essayer de leur donner quelques twists, quelques petites formes. Ça fait vraiment beau. Donc, on va venir ensuite faire l'épaulement pour lui faire la figure, séparer la figure du reste du corps, à peu près ici. L'idéal pour faire l'épaulement, ce serait d'utiliser un outil guillotine. Par contre, puisqu'on n'en a pas, on va utiliser la panne du marteau ainsi que la bigorne pour avoir deux faces qui vont rentrer dans le matériel. Et ainsi faire deux creux. Donc ça va être pas si mal. Donc on peut voir quand même un épaulement. Donc on va venir découper les bras maintenant. Nous allons maintenant découper les deux bras. Ça, c'est coupé. Ça, c'est bon. Ici, je vais insérer mon outil entre le corps et le bras pour éloigner les bras du corps. Pour travailler la forme des bras, on va utiliser des scrolling tongs, donc des pinces rondes. On va pouvoir le prendre et tordre, faire tourner dans le sens qu'on veut. En forgeant, j'ai laissé beaucoup de calamine, donc on va prendre le temps de l'enlever. Par la suite, on vient découper les pattes. Donc, on peut voir qu'on a passé au travers à certains endroits. Ça sent bien. Avant de couper les pieds, nous allons nous attaquer aux yeux. Donc, à l'aide du poinçon rond, on va venir faire les yeux. On va faire, on va essayer de repuncher les yeux pour les écraser jusqu'au fond ici, et ensuite on va venir les popper, juste la petite affaire de métal qui reste, on va les popper dans le trou. Donc une fois froid, on va prendre notre poinçon et on va venir percer les yeux de l'autre côté. Donc, ça devrait faire un petit rond de métal qui devrait s'enlever assez facilement.
beau rond, bien formé. On fait la même chose pour l'autre œil. Et voilà. Donc voici ses superbes petits yeux. Donc on va venir lui faire une bouche. Donc on va venir juste couper les jambes, on va les tordre pour faire un support et ça va être terminé. Je vais comme ça ici. Regardez si on est capable de démancher le bout là. Et voilà. Il nous reste peut-être une coupe à faire et ensuite il nous reste à étirer les jambes. Je viens écartiller un peu les jambes. Je plie les jambes de chaque côté. On étire chacune des deux jambes et ensuite on va les courber pour faire en sorte que notre petit bonhomme puisse tenir debout. Donc on va faire la même chose pour l'autre patte. On va étirer un peu celui-ci. Et ensuite on va juste les tourner et ça va être tout. Pour qu'il puisse tenir debout comme ça. Donc maintenant, on va juste faire une dernière chose, essayer de les tourner pour les mettre à plat et qu'ils puissent tenir. D'un côté, mais c'est pas grave. Vous pouvez bien vous imaginer de quoi ça a l'air, je suis certain. Soit à plat à peu près comme ça. On n'a plus qu'à tourner l'autre jambe et on va voir ce que ça donne. Comme tantôt. Comme ceci. Et on va venir écraser les jambes. Que je le lâche et qu'on voit de quoi ça a l'air. Ça tient. Donc on va brosser, on va donner un petit coup de cire d'abeille et ça devrait être terminé. Nous sommes maintenant rendus à la finition.
Et voici le superbe résultat final. Je suis vraiment content du résultat. Je le trouve vraiment super, super joli. Moi, je préfère le côté avec la petite bouche. Mon frère préfère le côté sans bouche. Donc, on peut mettre du côté qu'on veut. Donc, je trouve notre petite sculpture super creepy, un peu épeurante. Et avec une chandelle, ça fait vraiment un effet du tonnerre. Donc j'espère que tu as aimé ce vidéo spécial Halloween. Si c'est le cas, laisse un j'aime et abonne-toi et je te dis à dans 2 semaines. Au revoir!